coming down. See the shadows of my love. Where all the monsters came. Salut à tous, c'est Seven Seth Cabal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14. Si j'ai pas de conneries. 14, c'est ça. Et donc, la dernière fois, on avait découvert le bunker. Et je vais m'empresser de rejoindre la prochaine mission que j'aurais dû, je vous l'accorde, rejoindre avant l'épisode, avant la vidéo. Tant pis, vous allez devoir avoir du déplacement, d'être en moto de cross. C'est une connerie d'entraîner Clara dans tout ça. La confiance, c'est dangereux. Mais sans elle, je serais complètement paumé. Nickel, elle m'attend. C'est la seule personne que je considère comme une amie. Bloom. Bloom, ça fait un peu nom de... d'acteur, style... Il faut d'abord que je trouve un accès au réseau CityOS. C'est un peu chelou. Oui. À quoi? Ah. Pour une tête de mort aussi. Ok. Direction le système CityOS. En moto de cross. C'est un drôle de klaxon. Je vais faire. Je sais pas si c'est les glaces ou pas des poutres. Je vais freiner, sinon je pense que je passais au disparu au-dessus de la moto. Panda. Let's do this. J'allais rentrer, tu sais, au calme. Oh, le mec, oui. Le mec, il fait de l'escalade, quoi, c'est... Il n'y a plus de respect. Il n'y a pas une petite caméra dans le coin. Ok, faut que je trouve une autre entrée. Oui, j'ai un problème, c'est toi le problème. Connard. Ici me semble être un bon endroit mais pour m'infiltrer, mais d'abord je vais essayer de voir. Oh, c'est pas sur le. Ah non, il veut pas. Et les raids. Il y a aucune caméra, c'est étrange. Là-bas, il y a une. La baleine à une. D'accord. Là, c'est quoi le code d'accès? C'est ce que je recherchais. Alors, là-bas, à 40 mètres, je vais passer par ici. Je pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que... Identifiez-vous. On m'a vu, comment ça se passe là? Il est en dessous. Couillon, va.
On va faire une diversion. Fouillez la zone. Oh merde. Non, va pas te tuer. Je continue. On va laisser passer. Y'a rien ici. Je vais voir là-bas. Rien ici. Je vais voir là-bas. Hop, intrusion. Oh, je suis baisé là. Allez. Taïos. Ok. T'as voulu jouer au con? On va jouer au con. Et montrez-vous. Prends tes balles à l'occasion. Je sais que t'es là quelque part. T'es là. Tu m'entends? On a besoin d'aide ici. Reçu. What? D'accord. Mec qui vient dans mon dos, au Kramzer Cityzer. Ok, de toute façon maintenant je sais où est le entre guillemets le générateur. Donc on va y aller au calme. Une petite cam ici, nickel. Il faut la note, mais non, c'est pas ça que je vais faire. Il doit y avoir une séquence de dévêtements. Je vais tuer le mec. On va le chercher. Allez par là. C'est pas bon, ça. Je suis trop con. Oh mon dieu. Couvrez-moi. La chance tourne. Mettez-vous à couvert. Je peux m'en charger. Oh, allez-y, je vous couvre. Voilà, hop. Je me prends plus la tête, moi. Le CityOS enregistre notre quotidien 24 heures sur 24 et le public n'en sait rien.
moi. Colore la foule, colore mes veines, ce jour qui me reine. Faut te balader avec un camion si tu veux. La gueule quand même. Hop, et on va aller directement ici. Pardon, je suis du camion du City West. Dégagez. Tu sais, en fait, si tu voulais finir, en fait, si tu veux foutre en l'air la... Ouais, non, en fait, ça sera un peu chaud. Mais si tu veux foutre en l'air la répute de Bloom, tu prends un camion City West et tu tues tout le monde dans la rue, quoi. Bidouillage. Pour info, je te vois plus sur ma grille, t'as disparu. Ah, voici Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil et essayer de voir ce qu'il manigance. Oh, c'est pas compliqué. Toutes les missions annexes, je peux les faire en me faisant spotted. Par contre, les missions principales comme celle-ci là, c'est-tu j'ai pas le droit de me faire spotted sinon je suis en direct. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Salut mon pote. Alors ça roule ou quoi? Bouge bâtard. Eh hey, tu calmes direct mon gars. Ça va pas le faire. Ok. Bah, je vais trouver un endroit et toi tu seras l'une de mes premières cibles. Oh j'ai chaud. Okay. Chose promis, chose due. Enfoiré. Hein. What the fuck, je vois un mec juste à côté de moi, mais je le vois pas. Il doit être derrière le grillage, à mon avis. C'était quoi, là? Au max. Putain, c'est le bordel là. Oh putain, non. Ok, toi t'arrives vers moi, Hakuna Matata. Je vais te défoncer. Oh là, c'est quoi, c'est un force spécial? C'est moi. J'ai pas une arme silencieuse, quelque chose comme ça pour me faire mettre. Parce que autant dire que je suis mort, hein, si jamais... Je peux peut-être lui courir dessus. Allez, on essaye. Allez. Ouf. Tac, ça en fait un. J'ai obligé de remettre debout. Essayez, il prend ses aises, quoi. Les types comme le justicier qui fait chier tout le monde en ce moment, c'est ça nos nouveaux ennemis.
station a un problème spécifique. On a besoin de buter un gars rapidement, par exemple. Mais si tu peux pas le voir, tu fais quoi si le type, il peut te niquer sans que tu l'aies jamais vu? Putain, y'a que dalle ici. C'est clair que ce serait bon si tu essayais de dégager les gars du club. Mais moi, plus rien contre moi. Je vois que dalle. Je suis baisé. Je tiens les mecs, il est là. Base. Eh, hey, tue-moi. Voilà. Colore la foule. L'épée de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais je suis un con. Voilà, tuez-moi. L'épée de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Hé hey hey Grim. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, j'ai vu JJ avec ta meuf, mon pote. Tu parles de JJ de la 5ème rue, là? Ouais. Le petit enculé. Je vais lui fumer sa gueule à ce bâtard. Pas possibilité de rentrer dans un truc. Ouais, si, ça. Ouais, je sais pas, je peux pas exploser. Si. Alors, ça ressemble à quoi? Les Viceroy ont désactivé le CTOS dans Tour aussi Fremont. Ils l'ont complètement rerouté. Et il n'y a pas que le CTOS qui est hors ligne. Tout le quartier. Les habitants, ils vivent ici comme dans une zone de guerre. Ça explique pourquoi Bloom n'a rien réparé. Non, Bloom a les moyens de réparer ça. Il y a autre chose. Tu vas venir vers moi, toi? Tu vas vers moi, tu fais demi-tour. Des sniper. Mais apparemment, je vais pas pouvoir y aller.
Voilà, ça c'est bon. Faites-le-moi sortir de son trou, faut pas le paumer. Allez, on lâche pas celui qui nous plombe. Retrouvez-le. C'est un putain de fantôme, lui. Continue à faire gaffe. D'accord, je peux pas vraiment pas la... la voir avec. Mais non, pas ce côté-là! Allez-y, les mecs, je vous coupe d'ici! Please! Je l'envoie voir comme des bâtards! Bouge de là, mon pote! Bat-le pour finir, son foiré! Ça me déprime, j'ai tout fait bien! Si ça pète, je suis mort! Cousin, envoie ta grenade! Voilà, c'est super, on apprécie toujours. L'IP de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Hé hey hey Green. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, j'ai vu JJ avec ta meuf, mon pote. Tu parles de JJ de la 5ème rue, là? Ouais. Le petit enculé. Je vais lui fumer sa gueule à ce bâtard. Ferme ta gueule. Y'a un truc? Mais putain, j'arrive pas à voir ce que c'est. Alors, ça ressemble à quoi? Les Viceroy ont désactivé le site iOS dans Tour aussi Fremont. Ils l'ont complètement rerouté. Et il n'y a pas que le site iOS qui est en ligne. Tout le quartier. Les habitants. Ils vivent ici comme dans une zone de guerre. Ça explique pourquoi Bloom n'a rien réparé. Non, Bloom a les moyens de réparer ça. Il y a autre chose. Hop. On va repasser dans l'autre côté.
Hop, le dernier est là. Vite. Ouais, j'ai peur. Voilà. Si tu viens pas, je vais venir te chercher, enfoiré. Vous laissez pas impressionner, c'est une baltringue. Bordel, trouvez-moi cette merde. Faites gaffe! Oh! Oh. Au cours, je m'en bats les couilles. On fait tout ce chemin pour mourir maintenant. Tout va bien, putain. Reste calme. Let's do this. Attends, vas-y, on va se défoncer. J'ai plus de batterie de téléphone. J'étais sur la route toute la sainte journée. Et pas de vie. Il ne reste plus qu'une. Le moteur est possible, faut qu'on sorte des caisses. Enculé, il a défoncé ma caisse. Alors, ça marche? Ouais. On est connecté. T'as accès à tout aussi Fremont, maintenant. Au fait, je voulais te remercier. T'as vraiment été génial. Ah, je résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé, du coup? Non. Ça ne fait que commencer. Faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses, et que je libère ma sœur. Et une fois que t'auras des réponses, tu feras quoi? Je retrouverai qui a fait ça. Je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena.
T'es toujours là? Ouais. Je suis là. Bon, on se reparle bientôt. Voilà les amis. Donc après ces multiples tentatives échouées. Oh, j'ai un autre rappel. Tobias, comment t'as eu ce numéro? Je sais que c'est toi le justicier. C'est grave ça comme accusation. Ouais, ouais, j'ai reconnu ta voix. Je me suis chié dessus la première fois que je l'ai entendu. Écoute, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser un mec comme toi. À ce qui paraît, les flics seraient en train d'augmenter le nombre d'armes en circulation. De quoi tu parles? Si mes infos sont bonnes, ils les vendent carrément par caisse entière. Sous le manteau, bien sûr. Attends, je crois que j'ai vu un truc comme ça. Tu peux localiser la source? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ton enquête, hein? Et si je fais tout ça, je veux que tu me cites dans ton manifeste. Mais j'ai pas de manifeste. T'en auras un. Ok, trafic d'armes. Donc c'est rien, c'est juste des missions annexes, j'en ai fait quelques-unes. Je sais pas si je l'ai toutes faites ou pas. Bref. Les amis, on va se laisser là. Voilà. On a dû recommencer 3-4 fois la mission, c'est tout, c'est pas grave. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 15 sur Watch Dogs. Tchuss! J'ai des négociations de drame. Ravie de te voir moi aussi.